Francia Marquez, ça son dame noire, qui apprend pour élection dans le pays Colombie, et que d'après sondage, mademoiselle capable venir, première femme noire, vice-président dans le pays Colombie. Francia Marquez gagne 40 ans. D'après statistiques, mademoiselle pas tapé elle m'a gagné chance pour arriver côté arrivé, mais avec persévérance et persistance, et que mademoiselle arrivé pour probablement pas l'occuper une grosse place dans pouvoir politique dans Colombie, parce que c'est première fois dans Colombie, dans histoire Colombie, que un finnois arrivé dans gros position concernant position politique dans Colombie. Dans campagne, il dit tellement problème raciste, problème marginalisation qui est dans pays Colombie against race noire, against race indigène nous ça. Mon ça yo pas occupé au gouvernement parallèlement voyer Jésus yo, c'est peut-être ça mademoiselle dit que il réellement aller faire lutte ça pour capable réellement venir travailler sérieux parce que Dieu c'est pas une question de résistance tout le temps parce que c'est ça que race noire fait résistance tout le temps et du coup il y a celle qu'on y a l'appui al derrière gain pouvoir tout pour changer bagaille yo. Parce que li fatigué a mandé pour faire pour lui ce qu'on y a pour faire pour tête yo. Li commencé en politique depuis à l'âge de 13 ans comme un activiste environnement. So c'est là ça que moi j'ai commencé dans activité politique li. Parce que il te gagne des trois bagages qui devine dans zone côté d'habiter là et que moun yo te besoin faire des activités qui t'a réellement détrimental pour le monde qui habite dans la zone là environnementalement parlant, et que mademoiselle commence à faire boycott, commence à faire protest, aller marcher, faire marche bah ça depuis à l'âge de 13 ans. À 16 ans mademoiselle devient enceinte, devient fond petit monde, et que à cause qu'elle devient enceinte là qu'on y a l'obligé à le travail, et une autre travail qu'elle fait c'était à le travail caïmon. Al travail ka moun comme bonne, même j'en voyais en Haïti moun vin travail la ka yo faire bonne bay sa, c'est ça. So en anglais yo di la housekeepers, so c'est ça que mamzelle fait et pour le travail. So ça dit que ka moun ki te riche yo. So maman c'est une femme sage, et puis elle t'a pas accouché, c'est maman qui a accouché mamzelle, parce que pas de gain l'hôpital côté puis te koumen elle aller, parce que dans zone que elle habite à son zone qui réellement défavorisée, pas réellement gain en pile aide sociale dans zone ça. So mamzelle passé toute carrière ça yo à militer jusqu'à ce qu'elle est capable de river dans niveau qu'elle river. Dans pays Colombie, 40% de la population a vivre dans pauvreté. So Miss Marquez mamzelle choisi en campagne la politique li pour capable changer narrative ça pour que chaque monde qui vit dans Colombie a plus qu'à don ça qui est un basique moyen de vivre. C'est peut-être ça que les dit que les venir la campagne ça pour capable aider en pile. Parce que les dit si gouvernement te fait travail li, li pas ta plage ou dia là. C'est parce que gouvernement pas fait travail qui fait que là. À cause de action ça que Miss Marquez posé, gen 4 autres monde encore qui gagnent origine afro-américaine, afro-colombie qui allait pour vice-président tout. Ça veut dire que sous stage là, c'est 5 monde de race noire qui a couru pour vice-président. So, ça veut dire que même si Marquez pas ta gagné, artiste a gagné une ladder qui a gagné vice-président ça en Colombie. Et c'est première fois que ça a fait, c'est à cause de bold move que Miss Marquez fait qui fait que qu'on y a là tout le monde qui est afro-descendant, monde qui race noire là qu'on y a là gagne zéro sur affaire politique. Qu'on y a pas là faire résistance encore c'est aller puis aller. Dans la campagne là sous stage, Miss Marquez dit comme ça que s'il tape fallo toute règlement du jeu que moun nan Colombie quand ko élite nan Colombie a été établi, mandia dit qu'il t'a fait commencer à laver assiette kay moun ki gen kòb la cuisine famille moun Colombio. Et dit comme ça que qui ça qui réellement cap disturb moun sa yo élite yo parce mandia non janri, il dit c'est parce que on fik en couli qui tape travail la caille comme bonne qu'on y a là, li capable venir leader yo. Et c'est ça qui bat le plus satisfaction. So, moi fait histoire ça pour me capable prêter attention pour jeunesse haïtienne. Cap venir qu'on y a là. On regarde que dame là, on regarde pour faire sont très belle dame noire, très naturelle, qui a des cheveux naturels, tout à fait naturel, simplicité normalement, et puis que mademoiselle mettait afrocentricité li en évidence. Et que m'vle
rappeler jeunes mesdames yo, jeunes garçons qui vivent en Haïti et que pour pas perdre espoir et que même là que pays a passé on traversé qui est réellement dur, ça pas veut dire que de perdre espoir parce que si Francia Marquez là palmarès si côté sorti à là qu'on y a arrivé sous peu comprendre un vice-président pays Colombie, un pays qui est si tellement raciste parce que c'est pas seul Colombie seulement, on parle Venezuela, Saint-Domingue, tout l'autre pays latino-américain ça yo sont pas quelque ben raciste que yo parce que yo gen sans raciste là directement de Panyol yo, spécialement que en pile monde là dans ça yo, c'est mulat que yo, c'est yo plus attiré tout white blanc, sont d'effort, on regarde dans tout pays ça yo, soit font analyse ou que tout monde qui gen peau couleur noir, monde qui réellement noir qui gagne cheveux afrocentriques, qui gagne culture afrocentrique, ou que tout le monde sa yo, yo soi-disant marginalized. C'est rarement yon ou deux, trois ou qui capable réellement font y arriver. Mais l'on a regardé que majorité peuple noir qui vivent dans le bayou, qui vivent dans la misère. Quel était Saint-Domingue, quel était Pérou, quel était Bolivie, quel était Nicaragua, quel était Équateur, quel était Venezuela. C'est comme ça que yo traité moun noir yo, dans le pays sa yo. So, ça, c'est une remarque liée. Remarque que me fait et gan les articles là gan pile monde qui dit comme ça que depuis qu'on est qu'au fait et yo a fait racisme et que fait toute vie yo y a imaginé l'azio et qui a fait racisme avec et que just Miss Marquez vin ba yo espoir et que même là que Miss Marquez soit arrivé à Miss Marquez ouvert yeux yo fait qu'on est que li possible et que place dans la société a pas déterminé par qui ça que établissement dictate c'est eux même qui pour choisir pour déterminer place yo. So en Haïti c'est même gens que me capable réellement implorer nous même jeunes qui vivent en Haïti qui viennent yo pour nous pas quitter establishment en Haïti encore faux leader un paquet de bonnes monde qui passait déjà un paquet de bonnes faux politiciens on prend n'a quitter establishment l'autre côté bagaille school société parce que ou sorti l'on famille qui pas gain corps ou famille qui pauvre pour penser que ou penser en monde qui pauvre non c'est pour nous commencer penser en grandeur c'est pour nous penser pour pays à pour nous faire développement pour nous faire bagaille effectivement pour capable étirer masse là la situation que lié parce que si on monde comme Francia Marquez capable briver comme vice-président si que les gagne élection hein dans pays Colombie qui est un pays qui réellement en raciste ou noir ça veut dire que en Haïti n'importe monde qui ca sorti là marginalized parti société haïtienne n'a qu'arrivé tout sous tête pouvoir et qui pour capable changer bagaille on prend ça ça veut dire que jeune jouette pour nous so, ça c'est un exemple que lié pour montrer que toute bagaille possible et que pendant que nous vivons, même là que nous faisons un job qui pas réellement digne, c'est fait avec dignité nous parce que nous pas qui côté que n'a privé la société a pour demain pour ça que nous te qu'on a fait pour pas venir empêchement pour nous définitivement pas grand rien qui mal que ou travail ca un monde comme bon ou comme housekeeper je dis en anglais mais c'est là que vous faites là et puis ou pas qu'embé dignité ou et pour du moins vous faites là avec une façon que pour bail la venir tout mais en détrimental pour parce que quand vous dites pas gain son métier pas gain vieux job mais de pouvoir faire là make sure que vous connaissez job ou vous faites là avec respect et pour moi connait que c'est pas là stop ou c'est pas là que job l'arrêter par là qu'on finir qu'on connait qu'on capable avancer donc so, comme dit tout le monde quel que soit côté que la game dans mon nom m'a toujours suivi parce que me connais que quel que soit côté me tomber là et pas là que m'a prêté même si on n'atteint m'a prêté internet parce que m'a camper m'a levé m'a marché et puis c'est ouais après moi que m'a couru ah mais c'est exemple ça que me ba nous c'est peut-être raison ça que me fait profile ça sur Miss Marquez parce que pour jeunes mesdames si tout cap venir en Haïti yo si tout mesdames qui noir yo mesdames qui gain cheveux afrocentriques qui pas là mettre faux cheveux faux zong faux eyelashes faux derrière qui parle blanchi mesdames qui kembe dignité yo qui renmen couleur yo qui apprécie couleur yo qui in love ou du moins qui renmen gens que yo ya mesdames ça yo jouette pour nous parce que comme moi dit nous kembe dignité nous parce que nous pas connaît peut-être dans 5 ans 10 ans encore nous capable on notre aide à Pascal Couillo qui capable l'autre président pays d'Haïti ou du moins son l'autre premier ministre pays d'Haïti ou du moins son monde qui vient un gros autorité dans pays ya. All right so c'était une réflexion ça que m'ta fait so dame ça qui est de Francia Marquez qui capable probable venir première femme noire vice-président pays Colombie mes amis merci pour attention que nous t'ai prêté avec ce reportage ça.
And then à la prochaine. Again, non, moi c'est France Bonnet. Bye.